Bonjour Monsieur Mehdi Arifi, vous êtes directeur général de l'Agence de développement agricole. Vous participez à la 14e édition du SIAM qui s'organise sous le thème agriculture, levier d'emploi et développement du monde rural. La question aujourd'hui est comment l'ADA peut contribuer à faire émerger cette nouvelle tendance ou ce nouveau agriculteur, de jeunes agriculteurs, comment les inciter ou les motiver à revenir à la terre et devenir des agriculteurs, des agriculteurs plutôt. Alors merci pour cette question importante. D'abord le choix de la thématique de l'emploi des jeunes au milieu rural par l'agriculture, c'est un choix qui n'a pas été fortuit, parce qu'aujourd'hui la question de l'emploi des jeunes au milieu rural et le rôle que doit jouer le secteur agricole dans cette question, donc elle est centrale. C'est une priorité aujourd'hui du ministère de l'Agriculture, des pouvoirs publics. Sa Majesté le Roi, dans son discours de l'ouverture de la session parlementaire, a beaucoup insisté sur l'emploi des jeunes dans le domaine agricole, sur l'intérêt qui doit être accordé à ces jeunes en matière d'accès au foncier, en matière d'accès aussi au financement, et en matière de formation, d'organisation, etc. Et voilà, donc c'est une question centrale, c'est pourquoi on l'a choisi pour cette 14e édition du SIAM. On parle aujourd'hui d'une nouvelle vision l'année prochaine, pour renforcer cette employabilité des jeunes dans le milieu rural. Est-ce qu'on peut avoir des objectifs fixes, chiffrés de l'ATA en matière d'encouragement de ce segment ou de cette partie des agriculteurs? Les objectifs sont là. D'abord, il faut signaler que le plan Maroc Vert, durant ces 10 dernières années, a donné une importance capitale à l'emploi des jeunes. Nous avons plusieurs projets, des centaines de projets qui ont été réalisés par des jeunes dans l'investissement agricole, que ce soit sur le foncier de l'État, que ce soit sur le foncier des collectivités ethniques, foncier collectif. Également, plusieurs projets ont été réalisés dans le cadre de l'agriculture solidaire, ce qu'on appelle le pilier 2 du plan Maroc Vert. Et ça, en organisant les jeunes en association, coopérative, et en leur réalisant des projets clés en main dans le cadre de l'agriculture solidaire. Également, la question du secteur des produits terroirs est un secteur stratégique et qui a des impacts socio-économiques très forts sur les bénéficiaires. Et les jeunes, notamment les femmes, sont très présents dans ce secteur. On les accompagne dans la mise à niveau de leur infrastructure, l'équipement de leur unité de valorisation. On les accompagne aussi dans la commercialisation, dans l'accès aux marchés modernes comme la GMS, les marchés solidaires, la promotion de leurs produits, et puis même on les accompagne dans l'export. Donc c'est pour vous dire que cette question elle est déjà bien sûr importante et centrale dans le Maroc. Et maintenant pour l'avenir, bien sûr, c'est un axe qui sera, comme j'ai dit, stratégique et vraiment prioritaire. Et nous allons, Inch'Allah, intensifier nos interventions, redoubler d'efforts, pour réaliser beaucoup plus de projets pour les jeunes. Maintenant, la nouvelle stratégie, c'est encore de réalisation. On n'a pas encore les chiffres comme en matière d'objectifs. Mais je peux vous dire que ce sera une des questions centrales du secteur agricole. Alors vous avez vu, c'est au SIAM. D'abord, il y a un espace, un très grand espace qui est organisé par le Crédit Agricole du Maroc en partenariat avec l'Agence pour le développement agricole, le ministère et l'Office national du conseil agricole. C'est un espace dédié aux jeunes. On reçoit des jeunes. Je pense qu'on va recevoir plus de 800 jeunes dans cette édition, qui sont porteurs de projets, qui ont des idées de projets dans l'agriculture. Et donc on les reçoit, on leur présente les différentes solutions de financement, que ce soit le financement bancaire par le biais du Crédit Agricole, soit le financement étatique
de l'État par le biais du Fonds de développement agricole. Il y a également, on les oriente sur le plan technique, donc tout ce qui concerne l'ingénierie de leur projet, ça c'est le rôle de l'ADA, la structuration de leur projet. Également, on les renseigne également sur les possibilités d'accès au foncier agricole, sur les possibilités aussi d'organisation coopérative, en société, etc. On leur présente un guide, donc c'est un guide qui est complet sur tous les aspects. Il s'appelle le guide de l'investisseur dans l'agriculture. Voilà, donc, et puis aussi, ils reçoivent beaucoup d'informations en matière de conseil agricole de la part de l'ANCA et comment conduire leur culture, comment réaliser, etc. et comment valoriser. Donc tout ça, on a essayé cette année, dans cet espace-là, d'offrir tout un package complet. De l'idée de projet, de la structuration technique du projet, de solutions de financement, de l'accompagnement, les possibilités de formation aussi en matière de formation agricole professionnelle, de l'organisation en matière de coopérative, d'association, comment créer aussi des sociétés, des start-up. Et donc il y a tout un package complet et cet espace il est ouvert, à tous les jeunes, hommes et femmes, pour présenter leur projet, pour s'enquérir un peu de toutes les solutions qu'il y a. Aujourd'hui, l'un des thèmes principaux à cette 14e édition, c'est comment rendre les coopératives des sociétés, des entreprises ou des entrepreneurs. Aujourd'hui, l'ADA, comment accompagne les coopératives qui sont déjà existantes à faire cette transition ou cette transformation, si on veut dire? Oui, c'est une bonne question. Je pense que vous avez un peu fait le tour dans le pavillon, le grand pôle des produits de terroir qui comporte cette année plus de 310 coopératives IGE. C'est une première. Et la spécificité cette année du pôle produits de terroir, c'est qu'il y a des coopératives qui disposent toutes de l'agrément sanitaire de l'Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires, l'ONSA. Et qui ont bénéficié de différents projets, de différentes actions du ministère, de l'ADA, etc., en matière d'accompagnement, en matière de mise à niveau, mais surtout aussi en matière de commercialisation. Et le résultat aujourd'hui, il est là. Nous avons plusieurs coopératives, des centaines de coopératives, qui ont amélioré leur packaging, qui ont amélioré la qualité du produit, la présentation du produit. Des coopératives que nous avons introduites au sein de la GMS, les différentes enseignes de la GMS marocaine, au sein des marchés solidaires, et des coopératives aussi, il y en a beaucoup qui ont bénéficié de participation à des salons internationaux, et c'était l'occasion pour eux de faire de B2B, de décrocher des contrats d'export et tout ça. Et donc, grâce à toutes ces actions-là, on est en face. Aujourd'hui, nous avons des coopératives, nous avons des associations qui disposent d'un savoir-faire très moderne en matière de production, en matière de valorisation, en matière de commercialisation, et qui sont en phase, comme vous l'avez dit, de se transformer en coopérative entrepreneuriale ou bien même à des sociétés carrément pour augmenter leur capacité de production et s'ouvrir beaucoup plus sur les marchés, notamment sur le marché extérieur. Monsieur Mehdi Arifi, on vous remercie pour ces précisions. Merci. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.